Allez, c'est parti pour la dernière intervention de la journée. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Claude Kaufmann, qui est sans doute l'intervenant le plus médiatique et le plus connu de notre séminaire. Alors, pour les quelques collègues qui auraient sans doute oublié certains ouvrages de Jean-Claude Kaufmann, je vais les rappeler. Je vous citerai parmi les derniers « Casserole, amour et crise, ce que cuisiner veut dire »,« La femme seule et le prince charmant »,« La trame conjugale », que des choses passionnantes, mais ce n'est pas du tout là-dessus que nous avons convenu que vous interviendriez aujourd'hui. Et donc, on a plutôt fait référence à votre ouvrage qui s'intitule « L'invention de soi, une théorie de l'identité ». Donc, vous voyez quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et je voudrais dire juste un petit dernier mot dans cette introduction, c'est que je remercie M. Kaufmann de venir ce soir aux Arcs, alors que demain matin, il intervient en direct à France Culture sur un sujet qui n'a absolument rien à voir avec celui que nous voyons ce soir. Il ne faut surtout pas intervertir les deux, puisque c'est sur les désagréments conjugaux. Les petits agacements dans le couple, c'est mon dernier livre. Voilà, les agacements conjugaux, mais ça c'est pour demain matin, pour ceux qui seront branchés sur France Culture. Ce soir, on est plutôt sur la construction de soi, donc on est tout à fait dans le prolongement des trois interventions de ce matin. Si vous votez pour les agacements, on peut changer le topo, hein. Non, non, ils ne l'ont pas mérité parce qu'ils arrivent systématiquement en retard, donc c'est nous. Jean-Claude Kaufmann, vous avez la parole.